La gaita se queja, suenan los tambores. La gaita se queja, suenan los tambores. En la noche buena de los pescadores. En la noche buena de los pescadores. La noche de un traje negro, estrella viene a millares. Y con rayito de luna interpreta sus cantares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Las canoas formando una fila, bailan las canoas formando una fila, mientras canta el boga su canción sentida, mientras canta el boga su canción sentida. En todas las rancherías se ven bonitos danzares, entre grillos y tambores interpretan sus cantares. El pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra, el pescador de mi tierra. Playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente, hay rumor de cumbia y olor aguardiente. En todas las rancherías se ven bonitos danzares, entre grillos y tambores interpretan sus cantares. De mi tierra, el pescador, 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 de mi tierra, el pescador,
De l'argent. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Rennes, de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses. Je crois que c'est un peu à l'image de notre campagne, cette si belle campagne que nous menons depuis plusieurs semaines maintenant et qui font que nous sommes là ce soir, aujourd'hui pour ce meeting de notre campagne. Nous le sentons bien et ça a été dit par certains journalistes, il se passe quelque chose dans cette campagne, on le sent sur le terrain. À la sortie des métros, à la sortie des usines, dans la rue, les gens nous le disent, on sent qu'il se passe quelque chose et je crois que nous pouvons en être fiers. Il se passe quelque chose dans la rue, il se passe aussi quelque chose sur les réseaux sociaux et nous sommes en direct aujourd'hui et on m'annonce déjà plusieurs centaines de visionnages en direct. Je tenais à saluer tous ceux qui nous regardent et leur dire que la campagne se passe aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe des gens. Notre campagne est belle, mais notre liste est belle aussi. Et la première intervenante de ce meeting est à l'image de cette liste. Elle est un peu le symbole de ce qui se fait de mieux en Europe, à savoir la rencontre des cultures au-delà des frontières. Elle est une combattante de la paix et de la coopération pour les peuples. Elle est la candidate de Rennes, où elle est maire adjointe à l'enfance et au temps de la ville, et elle ne vous le dira pas parce qu'elle est assez discrète, mais elle a fait voter il y a un an l'exclusion de la petite enfance du champ de la concurrence libre et non faussée, et rien que pour ça on peut l'applaudir. Mesdames et messieurs, Katia Krüger. Chers amis d'Europe et de toute la France, qui nous regardez grâce à la retransmission vidéo. Chers amis de Bretagne et des départements voisins, chers camarades, née en Allemagne il y a 43 ans, installée en France depuis 20 ans, je suis une enfant de l'Europe. À 10 ans, j'ai vu les frontières s'ouvrir petit à petit, j'ai vu le mur de Berlin tomber et l'Europe s'agrandir. Depuis que je suis née, 19 pays ont rejoint l'Union européenne. J'ai pu venir vivre en France, m'installer, y travailler, sans jamais devoir rendre de compte à personne. Grâce à l'Europe, j'ai pu voter et même être élue conseillère municipale ici à Rennes, sans avoir la nationalité française.
Et cet exemple de citoyenneté européenne m'a confortée dans l'idée qu'il faut élargir le droit de vote à tous les étrangers vivant en France. J'ai rencontré des étudiants qui allaient faire leurs études dans différents pays européens. J'ai vu des gens travailler, voyager, vivre en toute liberté. Et surtout, j'ai toujours connu la paix. L'année prochaine, nous allons fêter les 75 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis cette date, il n'y a jamais eu de guerre entre des pays membres de l'Union européenne. Notre continent a été marqué par de nombreuses guerres, mais l'Europe montre que des pays qui, depuis des centaines d'années, se perdent dans des conflits terribles, peuvent, en quelques années, se mettre autour de la table, ouvrir leurs frontières, coopérer et devenir des amis. La paix, c'est le cœur des communistes. Notre parti est né du refus de la guerre et des combats pour la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité, la diversité, la solidarité. Nous nous inscrivons pleinement dans la continuité de cette pensée. Et au nom de ces principes, nous sommes complètement légitimes à interroger et à contester ce qui perturbe et fragilise l'idéal européen et à lutter pour la transformation du système au sein duquel nous vivons. Nous sommes communistes. Nous n'avons pas peur de l'avenir. Nous n'avons pas peur du changement. Nous sommes des bâtisseurs d'un monde commun dans la fraternité, en refusant toute concurrence entre les peuples. L'espoir et la confiance sont notre moteur. Il faut réenchanter l'Europe, donner de l'espoir, des perspectives et nourrir des rêves d'un monde plus juste, plus égalitaire, plus apaisé aussi. Portant avec enthousiasme l'exigence démocratique en renforçant les pouvoirs du Parlement européen, seule institution d'élus au niveau de l'Union, en contestant la prégnance du Conseil de l'Union et de la Commission européenne. L'austérité et la pauvreté nourrissent les nationalismes, les replis et les peurs. Dans ce monde en désordre, qui devient de plus en plus confus et difficile à comprendre, en pleine crise environnementale, de plus en plus de gens se détournent de l'Europe. De toute façon, l'Europe, c'est trop loin. On ne peut rien faire. Je ne vais pas aller voter, ça ne sert à rien. Montrant aux gens qu'au contraire, l'Europe peut être proche d'eux. Que si, nous pouvons faire quelque chose. Que nous sommes la force qui rapproche l'Europe d'eux en l'éloignant enfin des banques. Montrant aux gens que voter pour nous, montrant aux gens que voter pour nous, c'est dire oui à une Europe plus démocratique, plus égalitaire, plus libre, qui s'ouvre au monde. Une Europe qui ne se fonde plus sur un marché unique avec sa fameuse concurrence libre, loyale et non faussée, pour une Europe qui se fonde sur la libre circulation des idées, des cultures et des gens, sur la fraternité entre les peuples, pour une Europe enchanteresse et non pas pour une Europe forteresse. À qui veut-on laisser l'Europe ? Aux anti-européens ? À l'extrême droite ? À Macron, qui se donne des allures de sauveur de l'Europe, comme s'il était le seul Européen et qui, par conséquent, fait passer tous ceux qui veulent transformer, améliorer l'Europe pour des anti-européens qui flirtent avec le Frexit? Ils veulent nous voler l'Europe, cette chance, cette extraordinaire opportunité qu'elle constitue pour changer la vie des peuples européens et la trajectoire du monde? Nous ne les laisserons pas faire. Les Lumières nous inspirent. La Révolution française et le programme du Conseil national de la Résistance, les luttes de libération et les progrès sociaux obtenus nous y encouragent. Certes, nous sommes lucides sur nos difficultés,
sur l'agilité du capitalisme organisé à l'échelle mondiale, sur la force des petits malins qui font du business. Opposons-leur notre enthousiasme et notre véritable amour pour l'Europe. Et cet amour ne peut s'accommoder d'un fonctionnement qui considère les citoyens européens comme des soldats d'une guerre économique qui les isole pour faire éclater tout ce qui les protège. Puisons aux sources de nos valeurs, l'internationalisme et la solidarité. Nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes avec nos camarades des autres pays d'Europe, avec nos amis de la gauche unitaire européenne, ouverts aux forces de la gauche pour proposer la transformation de l'Europe, pour la rendre plus égalitaire, plus écologique, plus sociale. C'est nous, ce sont nos valeurs, nos luttes, nos revendications, l'égalité, la solidarité, le progrès social, la culture, qui embelliront l'idéal européen et qui assureront durablement la paix. J'ai commencé ce discours par la paix, je vais le terminer par la paix. Je l'ai dit, l'Europe est le garant de cette paix. Si l'Europe se brise, la guerre reviendra. Pour l'instant, l'Union européenne n'a aucun soldat et n'a aucune arme. Et il faut que cela reste ainsi. Avec nos camarades des autres pays d'Europe, nous sommes ceux qui portent cette lutte contre une militarisation de l'Europe. Et laissez-moi terminer avec les mots d'un très grand Européen, Victor Hugo. Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fendrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Merci. Merci beaucoup, Katia, pour ces jolis mots. Merci vraiment sincèrement. On me dit dans l'oreillette que je n'ai pas que nous serions 800 ce soir ici à Rennes. Mais je crois qu'on peut s'applaudir, c'est fabuleux. Bravo les Bretons. On m'avait dit que vous étiez fort, hein, mais c'est vrai. Alors, Katia a parlé, la paix fait partie de l'ADN de notre programme, tout comme la défense des droits des salariés et la représentation du monde du travail. Vous le savez, notre liste, c'est celle du monde du travail, c'est celle de la justice sociale et c'est celle de la dignité. Et les deux intervenants qui vont me rejoindre sur scène le savent bien. Le premier a été longtemps, 7 ans, m'a-t-il dit, à la tête de la Fédération CGT des cheminots. Le deuxième se bat actuellement aux côtés des docks, des dockers dans les ports de France. Mesdames et messieurs, Gilbert Garel et Pascal Pontac. Avancez-vous, allez. Ravi de vous accueillir ici à Rennes et ravi que vous soyez sur la liste pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent. Ma première question, elle est toute simple et elle est pour tous les deux. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur la liste du Parti communiste conduite par Yann Brossa ? Gilbert ? Bonsoir à toutes et à tous. Vous l'entendez, j'ai un accent breton, mais vous allez voir, on s'y habitue. Petit à petit, ça vient, vous allez voir. Qu'est-ce qui m'a incité à répondre favorablement à la sollicitation de Yann pour intégrer cette liste. Mais j'ai envie de dire, c'est presque naturellement, quoi. Voilà. Dans mes responsabilités syndicales, j'ai eu à mener des combats et des combats de grande ampleur contre la privatisation du rail, contre la libéralisation du rail en Europe et en France, contre la casse des services publics. Cette casse s'est produite par une succession de ce qu'on appelle des paquets ferroviaires qui ont
amener progressivement la privatisation d'un bien qui nous est commun, c'est ce grand service public national qui était jusqu'à aujourd'hui et qui est encore pas mal aujourd'hui assuré par la SNCF. Et quand il y a eu ces projets de paquet ferroviaire, il a fallu que syndicalement, d'abord, on se regroupe entre syndicats européens, parce que même si les projets de libéralisation ne sont pas communs à toute l'Europe, même si tout s'est pas passé à la même vitesse, je peux vous garantir que la grande majorité des syndicalistes européens combattent la privatisation, combattent la libéralisation, combattent la casse des services publics et combattent aussi la casse de leurs droits sociaux. Et puis, il a fallu qu'on ait des interlocuteurs. Et au niveau de l'Europe, nous avons trouvé qu'un groupe de parlementaires qui ont été nos réels interlocuteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas satisfaits de nous écouter, mais ils ont analysé les projets alternatifs que leur proposait, ils les ont travaillés sous forme d'amendements, ils ont porté ces amendements, ils ont bataillé avec la force qu'ils avaient, uniquement 52 députés sur un parlement de 751, mais ils ont bataillé pieds et mains pour faire avancer leurs amendements, pour essayer de faire en sorte qu'en Europe, le rail ne soit pas libéralisé dans chacun des pays, et notamment en France, où nous avions encore ce monopole pour le transport de voyageurs. Et non seulement ils ont bataillé, mais cette bataille a été fructueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on veut faire croire à la France entière, le quatrième paquet ferroviaire n'oblige aucun État européen à privatiser son rail, à ouvrir à la concurrence. Ce sont des choix nationaux. C'est Macron qui a fait le choix. Mais par les amendements qu'ont fait les députés européens de la gauche unie européenne, eh bien, il y a des pays qui, aujourd'hui, ont pu sauver leurs services publics. Et quand je parle de pays, c'est notamment des pays de l'Europe de l'Est, des pays comme la Pologne, comme la Hongrie. Parce que ne vous imaginez pas, quand Guillaume Pepy détruit notre chemin de fer public en France, il a quand même comme objectif de faire un même basse sur les chemins de fer polonais. Il avait déjà répondu à un appel d'offres sur les chemins de fer grecs. Voilà la politique qui est menée aujourd'hui par notre gouvernement et par les dirigeants de nos entreprises nationales. Donc effectivement, quand j'ai vu le travail que menaient ces parlementaires, quand j'ai vu que ce quatrième paquet ferroviaire n'est passé qu'à 24 voix près, ce qui signifie qu'ils ont non seulement porté des amendements, mais ils ont créé des conditions de rassembler beaucoup plus largement que ce qu'on croit autour d'eux. Je me suis dit, ça vaut le coup que pour les prochaines élections européennes, j'apporte tout mon soutien à la liste qui sera conduite par le Parti communiste français dans une ouverture très large et qu'on crée les conditions d'avoir encore plus de députés au niveau du Parlement européen. Pascal, je t'en prie. Bonsoir à tous, mes camarades. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres questions, donc je vais faire peut-être un peu plus court. Ça va éviter, parce que on va être jusqu'à la fin de la nuit. Donc la question qui a été posée, c'est de dire quelle a été pour nous la question de la candidature et du rapprochement de cette liste qui nous paraît aujourd'hui la seule possible, imaginable, dans le cadre de la conduite à tenir, dans le cadre de notre organisation syndicale. Donc je dis, ce n'est pas un jeu, c'est un nous. Car les discussions qu'on a pu avoir dans le cadre de nos structures syndicales, de nos fédérations, c'est d'abord un échange de camarades, mais d'une décision qui n'est certes pas individuelle. Elle ne peut être portée qu'en commun. Elle peut être portée que par tous. Et c'est le rassemblement de toutes ces petites voix qui font de cette grande fédération, la Fédération nationale des ports et docks, CGT, qui regroupe tout un tas de filières qui peut être la propreté, la manuféro, les aéroports. On aura peut-être l'occasion d'en parler un tout petit peu sur les aéroports, mais les aéroports qui sont aujourd'hui la cible d'un certain nombre d'interlocuteurs et de privatisation. On a aussi les ports et les dockers. Donc, au départ, cette réflexion, elle a été menée collectivement, et à l'issue de quoi il y a eu un débat. Ce débat a porté aujourd'hui une candidature qui est effectivement la mienne. Ceci étant, elle a d'abord été débattue collectivement. C'est pour ça que je dis le jeu est une chose, mais c'est avant tout le nous qu'on porte,
dans le cadre de notre fédération, et après je m'exprimerai un peu plus longtemps sur le reste et sur la démarche qui est engagée et qu'est-ce qui nous a permis de rejoindre. Et aujourd'hui, notre fédération ne peut avoir qu'une seule candidature, celle portée par Yann, celle portée par le parti. Nous sommes tous des gens pour... C'est un peu notre slogan et on le vit au quotidien, on le porte et je dirais que c'est essentiel au travers des différents meetings qu'on peut mener. Et on remercie aujourd'hui les camarades qui nous font confiance, qui me font confiance pour être leurs représentants au titre de cette liste. Moi, je m'arrête là, mais ensuite je prendrai le temps d'expliquer plus longuement les choses. Tu me gardes la parole, Pascal. Tu me disais que aussi tu t'étais engagé parce qu'au début des années 2000, avec tes camarades du syndicat, avec tous les salariés des ports et docks, vous aviez mené une grande bataille au niveau européen et une bataille qui a été victorieuse, notamment celle qui impose maintenant un dialogue social européen et que c'était aussi ça qui motivait ton engagement dans cette campagne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. Je vais éviter d'être trop long. En Europe, comme l'a été dépeint aujourd'hui dans le cadre de la SNCF et du ferré, on a vécu dans les ports les mêmes situations. C'est-à-dire que ce sont aujourd'hui les établissements publics qui fonctionnent, qui ont un mode de fonctionnement état par état et auquel cas ils gardent une forme d'indépendance. Il a été créé en fonction des gouvernements successifs, en particulier en Angleterre, sous Thatcher. Vous avez tous entendu parler, et ça a été les dockers de Liverpool. Et donc la répression par le sang, c'est-à-dire qu'on a sorti des zones des ouvriers portuaires, des ouvriers dockers, et on les a laissés pour compte, mis en dehors de leur travail, et à partir de ce moment-là, on a créé les conditions d'un regroupement par branche, par ouvriers dockers, et constitué dans le cadre de l'Europe. Cette démarche est l'initiative de Liverpool. Liverpool a été la première initiative de ce regroupement de branches. Et à l'issue de quoi, l'Europe s'est attaquée à nos professions, à nos emplois, à nos statuts, qu'on soit ensuite de Grèce, qu'on soit d'Espagne, qu'on soit du Portugal, qu'on soit de France. Il n'a eu de cesse que de remettre en cause nos statuts, nos emplois. Certes, alors certains diraient les dockers, alors ça c'est pareil, ça reste une connotation... Il y a de vrais dilemmes sur le débat. Ceci étant, on a été remis en cause. Sauf qu'on a une forme de solidarité qui est essentielle dans nos emplois, dans nos professions. Et on s'est constitué en groupe et on a organisé ce qu'on appelle l'IDC. C'est l'International Dock Worker Council. Ça permet de regrouper les travailleurs portuaires en Europe et se constituer comme force d'opposition par rapport aux directives et par rapport aux orientations de l'Europe. Et pour terminer, donc l'Europe s'est constituée en 2003, en 2006, ce qu'ils appelaient des directives européennes pour libéraliser les emplois et les travailleurs portuaires, c'est-à-dire faire du self-funding, c'est de permettre au personnel de leur choix de travailler en lieu et place de nos emplois, de nos statuts, et quelle que soit la situation de l'Europe. On les a combattus, il a fallu opposer une force importante de la part des travailleurs, mais les travailleurs ne sont qu'un élément. Il a fallu qu'on utilise la courroie politique qui est essentielle à un débat. Le débat, il se porte au Parlement. Le Parlement, il décide. Et si on n'a pas été en capacité d'abord de mobiliser les travailleurs, on n'est pas en capacité de mobiliser le politique. Le politique a été essentiel. Et il nous a permis en 2003 de les battre en brèche. Ils ont remis le couvert 3 ans plus tard. Alors là, pour le coup, on était agacés. Et on est venu un peu plus nombreux. Et donc, pour le coup, ça nous a permis d'aboutir à une nouvelle fois en 2006, de les toquer. La réforme n'est pas passée. Alors ça s'est passé à très très peu, ça s'est passé à une dizaine de voix près. Pour autant, ce n'est pas passé et on a obtenu satisfaction de nos revendications. Mais le combat, il reste de mise. Et donc maintenant, c'est état par état. Et on a bien vu ce qui se passe en Grèce et ce qui se passe ailleurs. Merci Pascal. Dernier mot, Gilbert. On est à un mois, quasiment jour pour jour, du premier tour de l'élection européenne. Qu'est-ce que tu as à dire à 800 personnes qui sont devant nous, aux centaines de personnes qui nous regardent sur Internet pour cette dernière ligne droite de campagne? Un mot. Cette campagne, elle se joue, on l'a vu, sur les questions sociales, sur les questions des services publics. Il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension environnementale. Les jeunes, aujourd'hui, se mobilisent sur l'environnement, sur le changement climatique, sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur les particules fines.
Moi, je vous le garantis, on a la démonstration aujourd'hui par le fret ferroviaire qui a été libéralisé dès les premières libéralisations, c'est date 2003. On a divisé par deux le transport de marchandises par rail depuis qu'on a ouvert à la concurrence. Ce qui signifie que si nous voulons véritablement protéger l'environnement, protéger les générations futures, il faut qu'on crée des conditions de développer le fret et de développer le transport de voyageurs par rail. Et ça ne peut passer que par une entreprise de 100% publique, par des coopérations entre les entreprises européennes dans le sens d'un service public du transport ferroviaire pour l'intérêt général. Alors, il y a quasiment un an de ça, les cheminots étaient dans l'action. Les cheminots sont battus. Les cheminots ont mené une grève exemplaire. Et je suis quasiment sûr que vous toutes et vous tous, vous portiez un badge créé par le PCF, montré 100% public, j'y tiens. Eh bien, si vous voulez que votre train 100% public se maintienne dans notre pays et se développe en Europe, le 26 mai, c'est à l'île de Léon-Brossard qu'il faut voter. Merci, Gilbert. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Alors, on a parlé de paix, on a parlé de service public des transports. Vous le savez, le meeting de ce soir, il a un objet, c'est celui-là. Ça, c'est notre programme, le programme pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent. Ce programme, il a été écrit grâce au travail de nos parlementaires à l'Europe. Je pense qu'on peut les applaudir, Marie-Christine Vergia, Patrick Leriaric, Marie-Pierre Veuilleux, qui ont énormément travaillé pour écrire ce programme. Il est aussi le fruit des rencontres avec des intellectuels, mais il est aussi le fruit de nos discussions avec tous les salariés et les représentants du monde du travail qui constituent notre liste. Ce document d'une quarantaine de pages, que je suis sûre tout le monde va lire dans cette salle, il est à votre disposition, vous pouvez le récupérer. Et pour ceux qui sont un petit peu feignants, on a fait un film qui représente les 5 axes de notre campagne que je vous propose de découvrir. Voilà nos 5 axes, je pense qu'on peut les applaudir. 5 axes pour l'humain et pour la planète d'abord. Alors, notre prochain intervenant est tombé dans la marmite de la résistance et du militantisme quand il était tout petit. N'en déplaise à Emmanuel Macron, en France, on peut militer, on peut résister, on peut même dire à Macron qu'on n'est pas d'accord avec lui et on peut avoir ses diplômes. Et notre prochain intervenant, et cet exemple-là, mesdames et messieurs, Glenn Le Saout. Dégémermat à toutes et à tous. Très chers camarades, très chère Yann, je tenais d'abord à remercier l'ensemble des fédérations pour l'organisation de ce très beau meeting. Alors, on nous dit dans les médias que les communistes n'existent pas. Eh bien, moi, je vois cette salle, et les communistes, ça existe, et vous êtes très, très beaux tous ce soir. Merci à vous tous d'être venus, nombreux et nombreux. Arène, je tenais à te remercier, Yann, d'avoir fait confiance et d'avoir, grâce à toi, pu faire écouter la voix de la jeunesse dans cette liste. En effet, cette jeunesse qui, par les différents gouvernements, s'est vue bafouée, humiliée, mais surtout méprisée. Dans mon passé, j'ai pu, avec les responsabilités que j'avais, combattre toutes ces dérives où cette mise en concurrence des élèves et des établissements entre eux n'a fait que s'aggraver d'année en année, où APB, puis Parcoursup, ont été le moteur de cette casse programmée. 20% des élèves, je cite les chiffres du ministère, ont disparu des services de Parcoursup sans qu'aucune question ne soit posée. Cette fameuse année de remise à niveau pour les élèves, un peu juste, disait-on, n'était que de la brume pour dissiper les doutes des élèves et de l'ensemble du corps enseignant. Aucun moyen n'a vu le jour dans les universités pour cette création. Pas de moyen non plus pour les lycées, où un vrai travail d'orientation en amont est pourtant si nécessaire pour notre jeunesse. Avec la nouvelle réforme du lycée, où les apprenants devront rester acteurs de leur savoir, et je ne fais que citer les mots de M. Blanquer en parlant des élèves qui doivent juste garder leur orientation,
ou cette fin des filières, ou plutôt le maquillage, car en finir avec les filières S, scientifiques, économiques et sociales, littéraires, et remplacées par des cours, dit-on, de sciences de l'ingénieur ou humanité, littérature et philo, ne change pour moi pas grand-chose. La L qui a vu ces derniers mois la disparition de Marx de ses programmes. Ensuite, Blanquer continue avec une nouvelle structure nommée Établissement public des savoirs fondamentaux. Cette dernière agit comme le révélateur de l'esprit administratif et gestionnaire qui préside ce texte, mais aussi ce pays, lequel décline d'autres mesures inquiétantes, comme un contrôle de l'expression des enseignants vis-à-vis des politiques d'éducation, la volonté d'envoyer des étudiants devant les classes sans formation ni tuteur, la suppression du Conseil national d'évaluation du système scolaire, la fin des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Évidemment, ce qui choque le plus, c'est le financement des écoles maternelles privées pour les 2-3 ans par les communes, alors que ces dernières, le sait-on, voient leur dotation baisser d'année en année. Après avoir passé 5 mois en Afrique, il était important pour moi de parler du fameux plan Bienvenue en France concernant l'accès aux études étudiants hors Union européenne. Les étudiants étrangers devront s'acquitter de 2 770 euros de frais d'inscription en licence et de 3 770 euros en master. Auparavant, ces frais étaient de 170 euros en licence et de 270 euros en master. Le rapport parlementaire déplore la mise en œuvre précipitée de cette réforme. D'après les auteurs, tous ces acteurs du monde université s'accordent pour indiquer que la mesure devrait produire, dans le court terme, un effet d'éviction aux conséquences potentiellement importantes. En d'autres termes, cela signifie que l'attractivité de la France dans l'enseignement supérieur risque de souffrir du plan Bienvenue en France. Pour illustrer cela, l'exemple de la Suède et du Danemark, pays ayant également mis en place des politiques similaires en 2011 et 2006, dans ces deux pays, le nombre d'étudiants étrangers a baissé de 30% en 3 ans en Suède et de 35% au Danemark dès la première année. C'est donc se moquer du monde que de donner le nom Bienvenue en France à un projet qui renforce un peu plus la sélection et la mise en concurrence, mais cette fois les étudiants étrangers. La réponse de Macron serait de supprimer l'ENA face à tout ceci. Mais ce que nous demandons, nous, ce n'est pas ça. À la rentrée, pas moins de 34 000 étudiants supplémentaires et jusqu'à 60 000 si nous suivons les courbes liées à l'explosion du baby-boom. La réponse du gouvernement n'a été qu'une augmentation du budget de 1,8%. 166 millions d'euros ont été alloués, alors qu'il en faudrait près d'un milliard par an. Nous souhaitons au Parti communiste une grande université publique et de qualité gratuite pour toutes et tous. Donnons-nous les moyens de réussir ensemble pour que la jeunesse d'aujourd'hui forme la France et l'Europe solidaire de demain. Grâce à Yann Brossat et cette liste à l'image de la société, nous pouvons enfin mettre un terme aux politiques d'austérité et de l'ultralibéralisme ayant détruit les espoirs d'une jeunesse cultivant l'égalité, la solidarité, mais aussi le respect de la planète à l'image de Greta Thunberg. Pour tous ces arguments, je suis très fier d'être sur cette liste et je vous appelle donc toutes et tous, jeunes, moins jeunes, retraités, étudiants, à voter pour Yann Brossat le 26 mai. Merci à vous. Merci Glenn. Merci beaucoup. Notre prochaine intervenante est un phénomène. Elle nous vient de Paris, je ne sais pas si vous la connaissez ici à Rennes, mais c'est une grande gueule, au sens propre, comme au sens figuré, puisqu'elle officie sur RMC de temps en temps. Mais c'est surtout une femme incroyable, une incroyable résistante. Elle a passé 15 ans dans la rue. Elle en est sortie. Et le jour où elle en est sortie, elle s'est mise au service des autres. Elle a mis son incroyable force au service de la solidarité et de l'entraide. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très, très, très chaleureusement Elina Dumont. Bonsoir. Je suis sûre que certains te connaissent ici, mais est-ce que tu peux te présenter, Elina, et expliquer ta présence aussi sur la liste de Yann Brossat pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent ?
Alors voilà, je m'appelle Elina Dumont, j'étais pupille de l'État, et l'État fabrique des exclus, hein, fabrique des sans-abri, et à 18 ans, eh ben, je me suis retrouvée à la rue, et ce, pendant plus de 15 ans. À 44 ans, j'ai un studio de 19 mètres carrés, d'ailleurs que j'ai toujours actuellement à Jaurès, et je trouve que Jaurès me va pas si mal que ça, on peut dire ce qui est. Ici aussi, apparemment. C'est un hasard, mais c'est vrai. Et vous savez, pour rien au monde, je souhaite à une femme ou à un homme de vivre dans la rue pendant plus de 15 ans. C'est horrible. Et ce que j'ai envie de dire, c'est j'ai rencontré Yann Brossat pendant les Grandes Gueules à RMC, au Grand Oral, et je me suis dit, ce mec me plaît. Mais me plaît, vous avez compris, ses idées. Et en fait, je l'ai rappelé, bon, ça a mis un peu de temps. Et un jour, ça devait être en 2015, je ne me rappelle plus très bien, et depuis on est resté en contact, j'ai signé des tribunes pour Yann Brossat, et je peux vous assurer, si je ne connaissais pas Yann Brossat, et ce n'était pas Yann Brossat, si ce n'était pas Yann Brossat, je ne serais pas sur sa liste. Parce que moi, je me suis fait avoir pendant toute ma vie. Et maintenant, c'est terminé. Donc voilà, Yann Brossat, je sais tout ce qu'il fait au nom du logement social. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup à faire. Et j'ai signé sa tribune quand il a fallu qu'on fasse un truc pour des sans-abri à Boulogne. Vous imaginez bien que les bien-pensants, la bonne droite a dit non. Mais tu te rappelles, Yann, j'ai défendu. On l'a eu. Bon, bref, c'est pas encore gagné. Maintenant, ils veulent nous déloger. Pas vrai, Yann ? Enfin, bref, faut savoir qu'en Europe, il y a de plus en plus de sans-abri. Et ça, moi, je le sais ô combien. Sachez que dernièrement, il y a une femme documentaire, enfin, je ne sais pas comment on dit, un documentaliste. Moi, j'ai quitté l'école très tôt, donc je n'ai pas fait des hautes études. Je parle comme je pense. Il y a une reportage, hein, une femme reporteuse qui m'a appelée d'Angleterre, qui voudrait faire un reportage avec moi au nom des sans-abri en Angleterre. Je suis marraine en Belgique, à Bruxelles, Douche Flux, avec Géluc, parce que le nombre de sans-abri augmente d'année en année en Belgique. En Suisse, on m'appelle. Vous vous rendez compte? En Suisse. Donc vous vous rendez compte que le nombre de sans-abri augmente d'année en année en Europe. C'est très grave. Et pour moi qui ai eu un logement à 44 ans, je peux vous dire un truc. Moi, je dis le logement d'abord pour se construire. Sinon, vous êtes foutus. Tu parlais du logement, Elina, mais tout à l'heure, on discutait et tu me parlais de ton engagement auprès des femmes victimes de l'exclusion et tu me parlais notamment d'une jeune mère à la rue avec un enfant de 7 mois. Oui, c'est incroyable, mais juste avant que j'arrive, là, j'ai eu un tweet d'une femme qui a Malakoff. C'est une femme qui a un bébé qui a 7 mois. Et je me dis, mais c'est pas possible, on est en France, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, ma mission est principalement vers les femmes, parce que moi, je suis une femme. Je sais ce que ça veut dire d'avoir des règles et de pas d'avoir de protection. Je sais ce que ça veut dire qu'on vous dise « Ah, t'es enceinte, mais comment ça se fait? Tu prends pas la pilule ?» Mais non, quand on est dans la rue, la survie, c'est quoi? C'est où dormir, c'est où manger. Mais moi, j'ai plus d'un demi-siècle. Et c'est ça qui me fait peur. Ce que je vous raconte là, ça date. Mais ce que je m'aperçois, c'est que c'est de pire en pire. Et cette Europe-là, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Même question que pour Pascal et pour Gilbert, on le voit avec ta fougue et ton énergie. Il nous reste un gros mois de campagne. Qu'est-ce que tu nous souhaites, Elina? Écoutez, moi, tout ce que je vois avec, je le répète, j'aime pas dire mon âge parce que je lutte contre l'exclusion jusqu'au bout. Et je sais que l'âge est un critère d'exclusion. Et peut-être demain, si j'ai besoin d'un boulot, le patron, il va dire, oh, ben, elle est trop vieille, je l'embauche pas. Donc, je ne dirai pas mon âge. Mais en tout cas, cette société se déshumanise. Et il faut remettre l'humanité au cœur de l'Europe. C'est pour ça, je dis, l'humain d'abord. Merci, Elina. Merci. Je crois qu'on peut vraiment l'applaudir très, très fort. Alors, vous le voyez, on a un programme et vous le constatez, on a des candidats exceptionnels. Je vais vous dire un scoop ce soir, vous ne serez pas venus pour rien.
Après vérification, et non, en fait, on n'a pas vérifié, mais je suis en mesure de vous dire que sur la liste de Yann Brossat, il n'y a aucun ancien candidat, pas vraiment candidat, sur une liste d'extrême droite ou du GUD. On a, non, je peux vous l'assurer, c'est le scoop de la soirée. Et pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'au contraire, il y a des combattants de l'extrême droite, il y a des résistants contre la haine xénophobe, il y a des résistants contre la politique de Macron et contre toute forme de populiste. Et je vous demande de découvrir quelques-uns de nos candidats qui forment cette belle liste pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent. Je m'appelle Arthur Hay et peut-être que vous avez déjà entendu parler de moi. Je m'appelle Loïc Penn et vous avez peut-être déjà entendu parler de moi. Je m'appelle Marie-Hélène. Je m'appelle Lassana Bouattiri. Je suis Sarah Chaussy. Maria Majidi. Je suis paysanne en Ardèche. Auteur et enseignante. Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire, conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'appelle Elina Dumont. Moi c'est Lucie Martin. Je suis sur la liste européenne de Yann Brossat. J'ai 18 ans. Et je suis étudiante à Sciences Po Grenoble. Je suis médecin urgentiste à l'hôpital de Creil. J'ai été chef de service des urgences pendant quelques années. Récemment, j'en ai démissionné. Si on ne veut pas devenir un rouage de la dégradation de la qualité des soins, il faut décider de faire autrement. Avec des collègues, on a construit une coopérative de livraison à vélo et on a décidé de reprendre en main notre métier. Au niveau de l'Europe, la voix des ouvrières, on ne l'entend jamais. C'est une Europe qui est complètement déconnectée. Des gens, mais il faudrait une Europe qui protège. Il faudrait construire un SMIC européen. Il n'y a pas de SMIC européen, il y aura toujours le dumping social. Ça arrêterait aussi les délocalisations. Il y a seulement 36% de femmes au Parlement européen. Où est la parité? C'est à l'image de notre société que doivent être les parlements nationaux, les parlements européens. L'Europe a eu un pouvoir sur le monde agricole parce qu'elle décide de la répartition de la PAC, la politique agricole commune, qui est actuellement clairement en faveur de l'industrialisation de l'agriculture. Ce que le Parti communiste défend, et moi-même à travers mes actions quotidiennes sur ma ferme, c'est une agriculture paysanne, une agriculture à taille humaine, qui soit locale et durable et surtout respectueuse de l'environnement. J'ai accepté d'être sur la liste aux côtés de Yann Brossat. Quand j'ai fait des réunions à l'Union européenne, j'ai vu les lobbyistes balancer leurs gros mensonges aux gens qui vont faire les lois. Et je pense que la liste de Yann Brossat, elle représente des hommes, des femmes qui vont pouvoir bloquer ces intérêts uniquement financiers qui sont aujourd'hui portés aux députés européens. La santé, c'est pas une marchandise dans notre conception. Donc c'est là-dessus qu'on va encore porter le fer extrêmement fort. L'Europe d'aujourd'hui, elle détruit les services publics de proximité. Elle prend peu en compte le milieu rural. Moi, je me bats pour que l'Europe devienne sociale, solidaire. Donc si on veut donner sa chance à l'Europe, redonner sa chance à l'Europe, il faut que ce soit une Europe qui nous apporte du progrès, pas de la régression. Oui, cette liste est belle et rebelle. Et notre prochaine intervenante en fait partie. Elle nous vient de Belle-Île, où elle exerce un métier qui est à la fois magnifique, mais qui est très difficile. Elle est aide-soignante dans un hôpital de proximité. Mesdames et messieurs, Christelle Dumont. On a oublié le micro. Merci Christelle d'être avec nous ce soir. Même question que pour les autres. D'abord, tu es ici avec nous ce soir. Les raisons de ton engagement auprès de Yann Brossat et du Parti communiste. Bonsoir. Je suis là ce soir parce qu'à Belle-Île, il y a aussi l'envers du décor de la belle carte postale. L'attaque des services publics s'est faite depuis 2013. On a d'abord perdu l'antenne route, la DDE, puis le trésor public, puis quelques jours de la poste, et ils se sont attaqués à la blanchisserie de l'hôpital local, où on était, il y avait une telle désespérance. Enfin, c'est 5 postes, l'hôpital de la blanchisserie, mais il y avait une telle désespérance que voilà, j'ai fait quelque chose d'assez violent. Du coup, je me suis mis en grève de la faim pendant 6 jours pour tenter de garder ces 5 postes. Le dossier a été porté par le parti, par Pierre Daruville à l'Assemblée. Et je le remercie encore aujourd'hui.
Bon, ça n'a pas été une victoire, mais voilà, aujourd'hui, c'est un juste retour de l'aide qui m'a été apportée à ce moment-là. Et c'est super important, je partage les mêmes valeurs. J'ai pris ma carte, du coup. Bienvenue. À 54 ans, mais bon. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. C'est pour Elina que je dis ça. C'est un petit clin d'œil. Bon, voilà. Ouais, il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il y a une telle désespérance au niveau des EHPAD. Hein. Enfin, vous savez bien, on en entend parler tous les jours, mais il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on sorte de ces politiques de santé qui sont destructives. On n'a plus de sens pour soigner nos aînés. On emménage dans un nouvel établissement tout neuf. Donc, pour l'instant, on était un soignant pour 10 résidents. Et là, le fait d'arriver dans des locaux neufs, on se demande pourquoi on coupe des effectifs. Et on passerait d'un soignant pour 14 résidents. Extrêmement dépendant parce que maintenant, quand les résidents arrivent en EHPAD, c'est parce que le domicile a eu toutes ses limites et ils arrivent avec une très très grande dépendance. Donc là, concrètement, il faudra donner à manger à 30 résidents. Il y aura 6 aides-soignants. Comment faire ? Sachant que voilà, on ne peut pas les gaver, ce n'est pas des oies, etc. Donc voilà, il faut vraiment qu'on sorte de ce système et qu'on ait plus de bienveillance pour tous nos aînés qui le méritent et qui ont travaillé toute leur vie. Un des slogans de la campagne, c'est « Pour l'Europe qui soigne, pas l'Europe qui saigne ». Toi, il y a une proposition qui te tient particulièrement à cœur et que tu souhaitais exposer ce soir à Rennes. Ben oui, c'est vraiment la défense des services publics au niveau de l'Europe et puis tirer tout le monde vers le haut. C'est super urgent. Enfin, c'est voilà, au niveau de l'Europe, au niveau national, au niveau local, enfin, aller tous dans le même sens pour qu'on s'en sorte dignement. Parce que là, on n'est plus du tout dans la dignité, on est dans de la maltraitance institutionnelle tout le temps, quoi. Donc on peut pas continuer. J'ai des collègues qui démissionnent, des collègues aides-soignantes, infirmières qui démissionnent. Elles ont 30 ans. Enfin, elles sont abîmées par leur travail. Il faut sortir de tout ça et puis en sortir la tête haute. Donc avec cette belle liste des gens, enfin voilà, il faut nous aider dans ce sens. Et je pense que c'est vraiment la meilleure voie pour éviter toutes ces désespérances. Passer à autre chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus digne. Oui, l'humain d'abord. Merci. Merci Christelle. Alors, vous avez pu le constater ce soir, il y a beaucoup de femmes qui ont pris la parole et je pense qu'on peut s'applaudir parce que c'est pas un événement, mais c'est quand même bien. Et notre prochaine intervenante est aussi une femme qui résiste, une femme qui se bat en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Elle est militante. Il y a le lobby des Côtes d'Armor qui est là. Je ne veux pas dire l'Ille-et-Vilaine, vous ne laissez pas avoir. Hein. Oui, elle vient de Côtes d'Armor où elle est militante associative. Elle se bat notamment pour l'hôpital public, et on l'a entendu, la défense de l'hôpital public est au cœur de notre combat. Elle est aussi élue communiste, élue territoriale, élue de terrain auprès des populations. Elle se bat pour la défense des territoires. Mesdames et messieurs, Cinderella Bernard. Bonsoir à toutes et tous, chers camarades, chers amis et chères personnes qui venez ici pour vous faire une idée du programme que l'on défend et faire votre choix peut-être pour les prochaines élections. Chère Yann, j'ai envie de te dire, pour te souhaiter la bienvenue, Gwelpembla la Wendit, Yann. Hier, c'était son anniversaire. Joyeux anniversaire, Yann.
Alors Julia l'a dit, je suis donc engagée en politique, je suis élue. J'ai fait le choix de m'engager en politique car ce sont les décisions politiques qui font notre quotidien. Élue, je suis donc conseillère départementale, mais aussi première adjointe d'une commune de 5000 habitants. Et comme je suis une femme, ça ne vous a pas échappé, je suis adjointe aux affaires scolaires parce que le social avait déjà été pris. Voilà. Un peu de féminisme, ça fait pas de mal. Depuis toujours, que ce soit dans ma vie professionnelle, je suis éducatrice spécialisée de formation, ou associative, ou politique, je milite pour plus de justice sociale et d'égalité entre les gens. Mais aujourd'hui, ce sont les logiques libérales qui sclérosent l'action publique dans nos territoires en agitant l'étendard de la sacro-sainte règle des 3% de déficit autorisés par l'Europe. Ces politiques d'austérité ne font qu'opposer les gens entre eux, les plus modestes entre eux, et les culpabilisent alors qu'ils devraient être les plus soutenus. Il en est un sentiment de honte et d'injustice qui fait le terreau du fascisme. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui affichent des idées de haine sans aucun complexe. Étant maman de 4 enfants, je me refuse à imaginer que notre société se tourne vers l'extrême droite, alors que d'autres voies sont possibles, plus fraternelles et plus solidaires, et que le PCF a déjà fait ses preuves. C'est pour ces raisons que je me suis engagée aux côtés de Yann Brossa. Pas pour être élue, je suis 32e, ou alors, va falloir travailler, hein, 40%. Je me suis engagée auprès de Yann Brossa pour que des députés porteurs des valeurs progressistes visant à transformer notre société et le modèle européen en redonnant du sens à l'action publique puissent siéger au Parlement. Car le capitalisme, partout où il exerce, a atteint ses limites. Dans mon département des Côtes d'Armor, dirigé par les libéraux de droite, et qui est le plus pauvre de Bretagne, avec un taux de précarité élevé et un nombre de personnes dépendantes en croissance, on n'entend plus parler que de fusion. Fusion des communes, des communautés de communes, des services publics de proximité, des hôpitaux, des écoles, des trésoreries, des services d'aide à la personne, et puis depuis peu, des offices HLM, que certains voudraient voir privatisés. Et c'est là le combat que nous menons avec mes camarades communistes du département et notre sénatrice Christine Prudhoe qui est présente ici, pour éviter cela. Car le logement, Elina l'a rappelé tout à l'heure, c'est la dignité humaine. Nous devons faire en sorte que le logement reste dans le domaine public. Juste une aparté que je n'ai pas notée, mais je tiens à vous faire ce témoignage. De plus en plus, dans mes permanences et au quotidien de mon action, je rencontre des personnes qui me font part de situations de jeunes en réfugiés qui arrivent sur le département, qui n'ont pas été reconnus mineurs parce qu'aujourd'hui, ce sont les tests osseux qui déterminent leur minorité et qui se retrouvent à la rue. Et s'il n'y avait pas ces collectifs de citoyens partout dans notre Bretagne, et je sais que ces collectifs travaillent en réseau avec Rennes, Brest et Saint-Brieuc et Le Morbihan aussi. S'il n'y avait pas ces collectifs pour faire en sorte de faire toutes les démarches pour prouver la minorité de ces mineurs seraient à la rue encore aujourd'hui. Je voudrais ce soir qu'on les applaudisse. Alors, si on justifie toutes ces politiques au nom de l'Europe, nous devons changer l'Europe. Parce que l'Europe, c'est notre quotidien, c'est notre agriculture, notre environnement, c'est l'aménagement de nos territoires et de nos services publics. Et la Bretagne, en son centre, souffre de la désertification en milieu rural. Comme d'autres, je pense qu'un autre monde est possible et je pense qu'on peut le bâtir ici, en Bretagne et en Europe. Et puisque nous sommes ici ce soir dans cette belle ville de Rennes, une des capitales bretonnes, l'autre, la capitale historique est en Nantes.
Permettez-moi de terminer mon allocution par quelques mots en langue bretonne. Parce que j'y suis sensible, c'est un combat que j'ai mené, celui de faire ouvrir une classe bilingue publique breton-français sur ma commune. C'est aussi une manière de rappeler que le PCF a toujours soutenu les langues régionales et a été le premier à déposer des projets de loi pour le protéger. Je sais pouvoir compter sur Yann Brossa pour défendre l'Europe dans toute sa diversité linguistique et culturelle. Alors d'abord, pour accueillir notre tête de liste, Yann Brossa, qui redonne de l'oxygène à notre force politique, Degemarmat, Yann. Et je finirai par notre slogan. Alors là, vous allez m'excuser. Hein. Donc, pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent, c'est facile, c'est en français. Evite Europa en dut et nep Europa en arant. Merci Braz, Yann. Merci Braz, Artout. Et votez pour la liste de Yann Brossa le 26 mai et faites voter largement autour de vous. Tu l'as dit, Julia, il y a une belle dynamique. On la ressent sur le territoire quand on va sur les marchés, quand on va à la rencontre des gens. Vraiment, Yann, tu es la révolution du... La révolution. Aussi, la révélation de notre parti. Merci beaucoup, tu nous fais beaucoup de bien. On peut être une révélation et une révolution, c'est pas incompatible. Et merci Cinderella de faire aussi bien le lien avec notre prochaine vidéo. Et voilà, Cinderella l'a dit, partout dans le territoire, on sent qu'il se passe quelque chose. Tout à l'heure, je parlais avec un camarade qui m'expliquait qu'au volant de la Coco Mobile, qui a visité toutes les rues de Rennes, d'après ce que j'ai compris, l'accueil avait été superbe. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est que ce que vous sentez ici en Bretagne, on le sent partout dans le sud, dans l'est, à Paris et dans le nord. Et c'est ce que nous avons voulu vous montrer avec le film que nous vous présentons ce soir. L'Europe, c'est le niveau pertinent aussi pour changer les choses. Cette France, elle souffre, elle a faim. Donc de la colère, il y en a beaucoup. Il y en a dans les cœurs, il y en a dans les têtes. Et il y a des millions d'hommes et de femmes qui aujourd'hui ressentent cette colère. La colère est une force. Une force face à tant d'injustices. Notre force, c'est notre cœur. Notre force, c'est notre générosité. Notre force, c'est nos convictions. Des convictions d'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes désintéressés, qui aiment leur prochain et qui veulent simplement faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde meilleur, dans un monde de justice, dans un monde où on met l'humain avant tout, dans un monde où on ne met pas le fric au-dessus de tout, dans un monde qui soit un monde de partage. Dans un monde où le commun, ce qui nous est commun, passe avant tout. Eh bien, nous sommes des communistes, oui. Des hommes et des femmes qui sont profondément attachés à ces idéaux. Et donc, c'est ce qui nous anime. Et c'est ce qui fait notre force. Et cela va se voir le 26 mai prochain. Je compte sur vous pour réaliser un beau résultat, une belle campagne. Merci à tous. Alors, est-ce que je dois vraiment vous présenter le dernier intervenant? Il se dit que vous le connaissez, apparemment. Il a fait, le 4 mai dernier, regarder ses chaussures à Madame Loiseau. Il nous a surtout rendu très, très, très fiers. Cinderella le disait, on parle de lui comme la révélation de cette élection, mais nous, on le connaissait avant. Et on sait que depuis des mois, des semaines, il est partout en France à la rencontre de la France en colère, de la France qui souffre, mais aussi de la France qui a un espoir de changement. Nous sommes fiers qu'il soit notre tête de liste. Il est professeur de français, il est maire adjoint à Paris, il est notre tête de liste, notre chef de file pour ces élections européennes. Mesdames et messieurs, Yann Brossa! Thank you.
anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On m'avait dit qu'on savait accueillir en Bretagne. Je vois que vous êtes fidèle à votre réputation et je vous en remercie très chaleureusement. Très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous dire quelques mots de notre campagne des élections européennes, vous dire quelques mots de notre projet, de notre programme, quelques mots aussi de la situation que traverse notre pays à un peu plus d'un mois de ces élections. Très heureux d'être ici. Très heureux d'être ici avec nos candidats, et notamment nos candidats bretons. Et à chaque fois que je vous vois, à chaque fois que je vous entends, je me dis que nous avons une chance incroyable d'être ce collectif humain d'hommes et de femmes qui ne sont pas là pour faire carrière, qui ne sont pas là parce qu'ils sont intéressés par tel ou tel poste qu'ils pourraient attraper, mais qui sont là simplement parce qu'ils ont des convictions, parce qu'ils ont de belles et de grandes valeurs, parce qu'ils veulent changer le monde, changer la société, changer leur quartier, bref, faire en sorte que nous puissions vivre mieux ensemble. Et ce collectif humain, c'est le Parti communiste, ce sont les amis du Parti communiste, ceux qui travaillent avec nous, syndicalistes, militants associatifs, et je peux vous dire que je suis immensément fier d'être sur la même liste que vous et de conduire cette très belle liste aux élections européennes. Je vous demande de les accueillir toutes et tous chaleureusement. Mes chers amis, mes chers camarades, nous sommes à un mois, quasiment jour pour jour, de ces élections européennes du 26 mai prochain. Je le répète, le 26 mai prochain, parce que c'est une élection à un tour, et donc tout se joue pour le Parlement européen le 26 mai. Vous pouvez le dire à vos amis, à vos collègues de travail, ça ne sert à rien de se déplacer le dimanche suivant. C'est le 26 mai qu'il faut se rendre aux urnes, et c'est le 26 mai qu'il faut utiliser le bulletin rouge que nous leur proposons, et qui, j'en suis sûr, sera très largement utilisé par elles et par eux. Et permettez-moi d'abord de dire quelques mots de la situation que traverse notre pays. Parce que ce qui monte, effectivement, cela a été dit par plusieurs intervenants avant moi, c'est une grande colère. C'est une colère qui s'exprime de manière ininterrompue depuis plus de 6 mois dans notre pays à l'occasion d'un mouvement social qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps à ce niveau de mobilisation. Beaucoup de colère, la colère de millions de travailleurs qui demandent simplement à pouvoir vivre dignement de leur travail, la colère de millions de retraités qui ont subi coup sur coup l'augmentation de la CSG et la désindexation des retraites par rapport à l'inflation, la colère de millions de jeunes aussi qui ont été confrontés à cette réforme Parcoursup qui n'est rien d'autre que la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université. Donc oui, il y a beaucoup de colère, une très grande colère, qui s'exprime sur les ronds-points, qui s'exprime à l'occasion de manifestations, et une colère que le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire, n'entend pas, parce que le gouvernement a décidé jusqu'à présent de poursuivre coup sur coup sa politique qu'il mène depuis maintenant 2 ans. Alors pour faire bonne mesure, ils ont lancé un grand débat national. Et le président de la République doit rendre demain les conclusions de ce grand débat national à l'occasion d'une conférence de presse. Il faut quand même le dire, ce grand débat national, il avait drôlement commencé, puisque le président de la République avait commencé par nous écrire une lettre
Et dans sa missive, il nous posait toute une série de questions, partant sans doute du principe que les Français ne savaient pas de quoi ils allaient pouvoir parler. Et dans ce questionnaire, il nous disait « Quels sont les services publics que vous souhaitez fermer ?» C'est quand même une drôle d'idée. Parce que Cinderella le disait tout à l'heure, il y a quelques élus dans cette salle, et je pense qu'il nous arrive assez rarement de tomber sur des électeurs qui, lorsqu'ils viennent nous voir à nos permanences, nous demandent de fermer des services publics. Mais il faut croire que le président de la République rencontre des Français bien particuliers qui viennent lui demander de fermer l'hôpital, la maternité, le bureau de poste, la ligne de chemin de fer qui est à proximité de chez eux. En tout cas, il les a rencontrés et donc il nous a posé cette drôle de question. Le problème, quand on pose de drôles de questions, c'est qu'on aboutit à de drôles de réponses. Et c'est précisément la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Au passage, je le disais, le grand débat national, ça a mal commencé, ça n'a pas très bien continué non plus. Parce qu'on a appris que lorsque le Premier ministre a restitué les conclusions du grand débat national, ce qui était remonté des questionnaires que les Français avaient remplis, il n'avait tenu compte que de la moitié des questionnaires. C'est curieux, c'est une radio qui l'a révélé, une radio publique d'ailleurs. Ils ont donc restitué la pensée des Français en ne tenant compte que de la moitié de leurs revendications. J'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'ils n'ont pas tenu compte de l'ensemble des questionnaires qui demandaient le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et donc maintenant, les voilà qui vont rendre leurs conclusions. Il doit les rendre demain. Il y a eu quelques fuites bien organisées. Et il y a déjà quelques pistes qu'on commence à pressentir. Je ne sais pas si vous avez lu un journal qui paraît le dimanche, une députée de La République En Marche qui disait « Je suis persuadée que les Français sont prêts à travailler davantage ». Et cette députée de La République En Marche disait « Oui, les Français veulent travailler davantage, j'en suis persuadée. D'ailleurs, les Français travaillent moins que les autres. » Ils sont quand même d'ailleurs curieux, ces gens, qui vont chercher les suffrages des Français et qui détestent à ce point les Français. Vous avez remarqué, ils passent leur temps à dire du mal de leurs concitoyens. Donc les Français, à leurs yeux, sont des feignasses. Parce que c'est ça, la réalité. Ils ne le disent pas comme ça, mais au fond d'eux, ils le pensent. Le problème, c'est que c'est faux. Quand on regarde les statistiques, la réalité, c'est que les Français travaillent en moyenne 1500 heures par an. Exactement comme les Anglais, exactement comme les Allemands qu'on nous présente matin, midi et soir comme le modèle à suivre. Donc tout cela repose sur quelque chose de faux. Mais évidemment, ils ont une idée derrière la tête. Ils veulent mettre en place, vous l'avez sans doute vu également, une deuxième journée de solidarité. D'ailleurs, on dit une deuxième parce qu'il y en a déjà eu une première. Elle avait été mise en place du temps où Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre. D'ailleurs, ça tombe bien, il paraît que Jean-Pierre Raffarin maintenant soutient Emmanuel Macron, comme ça la boucle est bouclée. Et donc, quand on refait le film de ces derniers mois, on se dit qu'on a quand même affaire à des génies. Des génies. Parce qu'on a des millions de gens qui s'expriment partout à travers le pays en disant « Nous voulons vivre dignement de notre travail. Nous voulons que le travail paye. » Et la réponse du gouvernement à cela, c'est une journée de travail gratuit. Parce que c'est ça la journée de solidarité. C'est une journée de travail gratuit. C'est ce qu'ils veulent nous imposer maintenant. Et ils nous disent, oui mais attention, c'est fait pour financer la dépendance. C'est donc une journée, disent-ils, de solidarité.
et non pas une journée de travail gratuit. C'est sûr que ça fait mieux. Mais enfin, ces gens ont quand même une drôle de conception de la solidarité. Parce que dans un premier temps, quand Macron est devenu président de la République, il a commencé par dire « c'est aux retraités d'être solidaires des actifs ». Vous vous souvenez, à l'époque, il nous disait « les retraités sont des privilégiés qui ont un pouvoir d'achat extraordinaire par rapport aux actifs ». Donc, ils ont augmenté la CSG et en échange ont baissé les cotisations sociales sur les salaires. Et donc maintenant, ils disent « c'est aux actifs d'être solidaires des aînés ». Mais leur conception de la solidarité, elle est vraiment très étrange, parce que c'est toujours aux gens modestes d'être solidaires des gens modestes, aux retraités pauvres d'être solidaires des salariés pauvres et aux salariés pauvres d'être solidaires des retraités pauvres. Mais alors, jamais, jamais, au grand jamais, on ne demande à ceux qui ont beaucoup d'argent d'être mis un petit peu à contribution. C'est même l'inverse, puisqu'ils ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Et l'impôt de solidarité sur la fortune supprimé, c'est un cadeau de 33 euros par jour, 33 euros par jour pour les 365 000 ménages les plus riches de France. 33 euros par jour pour eux, tous les jours, qui tombent dans leur portefeuille, simplement parce que le gouvernement a décidé que ces gens-là méritaient d'être gâtés. Donc, eux, on ne leur demande jamais rien. On a affaire à une espèce de caste de brahmanes. Vous savez, c'est un peu comme dans Koh-Lanta. Il y a un système qui s'appelle le totem d'immunité. On n'a pas le droit de les toucher. Eux, ils sont intouchables, les ultra-riches. Mais alors, les autres, on peut leur demander tout ce qu'on veut, tout le temps, tous les matins, et les presser comme des citrons en permanence. C'est exactement ce que veut faire le gouvernement avec ce projet de journée de solidarité. Alors nous avons une autre conception de la solidarité. Et nous avons donc une autre proposition à faire au président de la République. Nous proposons pour notre part, pour financer la dépendance, nous proposons une journée du patrimoine des plus riches. De quoi s'agit-il? On le disait tout à l'heure, les 358 000 ménages les plus riches de France ont un patrimoine très important. Ils ont un patrimoine de 1 000 milliards d'euros. 1 milliards d'euros, c'est la moitié du produit intérieur brut français. Eh bien, nous proposons que chaque année, ces familles remettent un 365e de leur patrimoine. Pas beaucoup. Un 365e de leur patrimoine. Et de telle sorte que nous puissions recueillir 3 milliards d'euros, soit exactement ce que le gouvernement prévoit comme montant grâce à sa journée de solidarité à lui. Simplement, nous préférons demander cet effort aux ultra-riches plutôt que de le demander une fois de plus à ceux qui travaillent et ceux qui demandent simplement à pouvoir vivre de leur travail. Donc, vous voyez, nous avons des propositions à faire. Encore faut-il les entendre, les écouter. Encore faut-il avoir un président de la République qui daigne entendre aussi de l'oreille gauche. Parce qu'il semble que pour l'instant, il n'entende que de l'oreille droite. Donc nous allons l'aider. Et le meilleur moyen de l'aider, d'ailleurs, c'est le 26 mai prochain. Ce sont les élections européennes. Ce sont ces élections qui approchent à grands pas, qui ont lieu dans un mois. Et au fond, je voudrais vous convaincre d'une chose, et je voudrais que vous puissiez à votre tour convaincre ceux que vous connaissez d'une chose. C'est que les enjeux européens et les enjeux nationaux, ils sont étroitement connectés. Il n'y a pas d'un côté les difficultés auxquelles nous sommes confrontés à cause de l'Union européenne,
et de l'autre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés à cause du gouvernement français. Parce que la réalité, c'est que ce sont les mêmes politiques qui sont menées à l'échelle de la France et qui sont menées à l'échelle de l'Union européenne. Ce sont les mêmes politiques qui sont menées à Paris et qui sont menées à Strasbourg et à Bruxelles. Ce sont ces mêmes politiques libérales qui consistent en permanence à demander aux mêmes, aux plus modestes, à ceux qui vivent de leur travail, à ceux qui vivent du travail qu'ils ont réalisé au cours des années passées grâce à leur retraite. C'est toujours aux mêmes qu'on demande de faire des efforts. Et c'est toujours aux mêmes qu'on fait des cadeaux, toujours aux mêmes qu'on permet de s'enrichir sur le dos de l'écrasante majorité des autres. Ce sont les mêmes politiques. Et c'est la clé pour comprendre l'enjeu du 26 mai prochain. D'ailleurs, au passage, avant de venir ici, je relisais les recommandations de la Commission européenne. Parce que vous savez que la Commission européenne, elle nous gratifie deux fois par an de ses recommandations. Une première série de recommandations sur le budget de la nation, parce que vous le savez, notre budget, le budget de la France, avec leurs institutions européennes et leurs traités européens, il est soumis à Bruxelles, soumis à la Commission européenne, avant d'être soumis aux parlementaires français. C'est quand même une drôle de conception de la démocratie que de soumettre notre budget à des gens qui ne sont pas élus avant de le soumettre à des gens qui, eux, le sont et ont le suffrage populaire. Mais enfin, ça fonctionne comme ça. Donc, ils rédigent deux séries de recommandations chaque année. Une première sur le budget et une deuxième sur notre programme de réforme. Parce qu'ils ont évidemment leur mot à dire sur notre programme de réforme. Et donc, je lisais les dernières recommandations de la Commission européenne, celles qui ont été rédigées au mois de juillet. Et dans ces recommandations, il y a deux choses très importantes. La première, c'est que le président de la Commission européenne, M. Juncker, ce monsieur qui est payé 32 000 euros par mois, dans ses recommandations, il dit « la France ne doit pas augmenter le SMIC ». Vous vous rendez compte ? La France ne doit pas augmenter le SMIC. Lui qui gagne 32 000 euros par mois et qui s'est augmenté de 7% depuis 2014. Et dans la suite de ses recommandations, il nous dit « il faut que la France mette en place une réforme des retraites ». Et croyez bien qu'il ne s'agit pas d'une réforme des retraites visant à améliorer le pouvoir d'achat des retraités. Il s'agit, dit-il, d'une réforme qui permettrait de faire des économies. Et il s'appuie pour cela, dans ses recommandations, sur un institut que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'IFRAP. Un institut qui est dirigé par une dame qui s'appelle Madame Verdier-Molinier. Un institut qui n'a pas une grande crédibilité scientifique parmi les économistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on était mal poli, on pourrait presque dire que c'est un institut de charlatan. Mais on est poli, donc on ne le dit pas. Et donc, résumons. On a au départ un institut patronal, l'IFRAP, qui rédige un rapport recommandant une réforme des retraites. On a ensuite la Commission européenne qui, dans ses recommandations à la France, prend les recommandations de cet institut comme argent comptant. Et on a ensuite le gouvernement de la France qui applique à la lettre les recommandations de la Commission européenne. Tout se tient et on a donc un patronat, une Commission européenne, un gouvernement français qui se tiennent par la barbichette et qui appliquent par A plus B les recettes libérales qu'on nous impose depuis maintenant plus de 30 ans. Donc qu'on ne nous dise pas, qu'on ne nous fasse pas croire qu'on a d'un côté l'Union européenne et de l'autre le gouvernement français. On a des politiques qui sont les mêmes et qui nous font souffrir à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe depuis maintenant trop d'années. D'ailleurs, quand on lit les traités européens, je sais qu'il y a ici beaucoup de militants communistes. Les militants communistes, ils ont ceci de particulier qu'ils ont lu les traités européens. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils les ont lus qu'ils ont voté contre. Parce que beaucoup de gens qui ont voté pour les ont lus après
et se sont aperçus que s'ils les avaient lus, ils n'auraient sans doute pas voté pour. Donc nous les avons lus. Et en les lisant, nous avons vu que ces traités européens reposent sur deux dogmes. Le premier dogme, c'est l'austérité. C'est la règle des 3% de déficit public qu'on n'a pas le droit de dépasser, faute de quoi la Commission européenne est là pour nous soumettre à des sanctions comme des mômes qui auraient désobéi à leur maître. La règle des 3% de déficit public. Nous savons très bien ce que ça signifie. Ça signifie moins de services publics dans nos territoires. Ça signifie moins de maternités, moins d'hôpitaux, moins de lignes de train, moins de bureaux de poste. Bref, une vie qui se dégrade dans nos territoires ruraux comme dans nos quartiers populaires et nos grandes métropoles. Et puis le deuxième dogme, c'est la concurrence. Ce qu'ils appellent la concurrence libre et non faussée. Gilbert en parlait tout à l'heure en parlant de la SNCF. C'est d'ailleurs une drôle de conception de l'Union européenne que de l'avoir fait reposer sur le principe de la concurrence libre et non faussée. On a une Union européenne aujourd'hui dans laquelle l'objectif, ce n'est pas de se serrer les coudes, l'objectif, c'est de se tirer dans les pattes. L'objectif, c'est en permanence de mettre en concurrence les travailleurs les uns contre les autres, les États les uns contre les autres. On l'a encore vu récemment avec l'affaire Air France KLM. Quand on y réfléchit quelques secondes, c'est quand même une folie. Quand on nous a vendu l'Union européenne, on ne nous l'a pas vendue comme ça. On nous a dit que ce sera une union de partenariat et de coopération. On ne nous a pas dit qu'on construit l'Union européenne pour organiser la concurrence entre nous. C'est quand même une drôle de conception de la civilisation que d'imaginer que des humains n'aient rien d'autre à faire que de se faire concurrence les uns contre les autres. Eh bien, c'est comme cela que l'Union européenne est aujourd'hui organisée. Et c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui une Europe qui n'est pas une Europe des gens, qui n'est pas une Europe humaine, mais qui est une Europe de l'argent. Oui, une Europe de l'argent. Et ça n'est pas un hasard si cette Europe de l'argent, elle a été dirigée ces dernières années par ce monsieur Juncker, qui est l'ancien chef d'État du Luxembourg. Il fallait quand même le faire. Ils sont allés chercher le chef d'État d'un paradis fiscal pour diriger l'Union européenne. Et non seulement il a été chef d'État d'un paradis fiscal, ministre des Finances aussi, donc c'est lui qui a mis en place tous ces mécanismes qui font que le Luxembourg est un paradis fiscal, mais en plus de cela, il a été chopé lui-même le doigt dans le pot de confiture dans l'affaire des Luxembourg Leaks, ce qui témoigne du fait qu'il a probablement profité lui-même des mécanismes d'évasion fiscale qu'il avait mis en place lorsqu'il était en responsabilité. Donc quand nous disons que c'est une Europe de l'argent, ça n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et nous disons, et c'est le cœur de notre programme, je vais en dire quelques mots, qu'il est temps de construire enfin l'Europe des gens, l'Europe des peuples, l'Europe humaine à laquelle nous aspirons toutes et tous. Cette Europe des gens, c'est d'abord une Europe dans laquelle le travail paye. C'est une Europe dans laquelle le travailleur, la travailleuse, a la possibilité de vivre dignement de son travail. C'est ce qu'on entend partout, cette revendication-là qui monte de partout dans notre société. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez qu'au cours des 10 dernières années, le taux de travailleurs pauvres au sein de l'Union européenne est passé de 7% à 10%. Alors que dans le même temps, les richesses produites par ces mêmes travailleurs, par nous, elles sont passées de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous avons collectivement produit 2 000 milliards d'euros de richesses supplémentaires et pendant la même période, nous nous sommes considérablement appauvris. Cela veut dire qu'il y a des gens qui se sont enrichis sur notre dos. Cela veut dire qu'il y a des actionnaires qui se sont gavés sur le dos de ceux qui ont produit ces mêmes richesses. Parce que nous le savons, ce sont les travailleurs qui produisent les richesses. Pas ceux qui s'enrichissent en dormant, en attendant que leurs intérêts tombent. Et si nous en sommes arrivés là, c'est précisément en raison
de cette règle de la concurrence libre et non faussée gravée dans le marbre des traités européens. Parce qu'aujourd'hui, et je pense en le disant à quelques-uns des candidats de notre liste, et notamment à Nassim Bardi, qui est ouvrier d'Ascoval et qui attendait aujourd'hui la réponse du tribunal pour savoir si un repreneur allait se signaler pour son aciérie. Aujourd'hui, on dit aux travailleurs français, il faut que tu te serres la ceinture, parce que le travailleur polonais, lui, il est prêt à travailler pour moins cher que toi. Et on dit aux travailleurs polonais, il faut que tu te serres la ceinture, parce que le travailleur bulgare, il est prêt à travailler pour moins cher que toi. Voilà comment fonctionne aujourd'hui l'Union européenne. Et au lieu d'avoir une Union européenne qui nous tire vers le haut, nous avons une Union européenne qui, en permanence, nous aspire vers le bas et nous pousse en permanence au bas salaire, au salaire de plus en plus bas, aux conditions de travail de plus en plus précaires. Eh bien, nous disons que la première ambition de l'Union européenne, ce doit être l'harmonisation sociale par le haut. Ce doit être de faire en sorte qu'il n'y ait plus de travailleurs pauvres sur notre continent. Ce doit être de faire en sorte que tout travailleur puisse vivre dignement de son travail partout à l'échelle de l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous proposons un SMIC européen. Mais, je le précise tout de suite, ça n'est pas exactement le même SMIC européen que celui proposé par Madame Loiseau. Vous l'avez sans doute vu, elle propose un SMIC européen à 50% du salaire médian. Elle pouvait quand même imaginer qu'on allait faire le calcul. Nous avons bonne mémoire. Nous avons retenu la proposition, nous avons fait le calcul. En France, ça fait 950 euros. Alors elle dit non, je ne veux pas un SMIC à 950 euros en France, il n'est pas question de le baisser. Mais enfin quand même, excusez-moi, on a le droit d'être méfiant, on les connaît, on le sait. Et puis par ailleurs, si le seul horizon qu'on a à proposer, c'est un SMIC qui est en dessous du seuil de pauvreté, ça témoigne quand même d'une pauvre ambition pour l'Union européenne en matière sociale. Nous proposons un SMIC à 60% du salaire moyen, ce qui représente pour la France 1 400 euros net, soit une augmentation de 200 euros du SMIC. Et je crois que vu les difficultés que rencontrent les SMICards dans notre pays, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'impose et c'est nécessaire pour leur permettre de vivre correctement de leur travail souvent difficile. Donc oui, l'harmonisation sociale. Alors souvent, quand on dit « nous voulons l'harmonisation sociale en Europe », on nous dit « mais vous n'y pensez pas, c'est compliqué, on n'y arrivera jamais ». Bon, moi j'ai constaté une chose, c'est que les députés européens, qu'ils soient polonais, bulgares ou français, ils sont tous payés pareil. Donc, si on a été capable d'aligner par le haut les indemnités des députés européens, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les travailleurs d'Europe. Donc, première bataille, faire en sorte que le travail paye. Deuxième bataille, deuxième rupture, c'est la question des services publics. Parce que nous le savons, depuis des années, l'Union européenne a servi de machine de guerre contre nos services publics. L'Union européenne, elle nous a imposé l'austérité. Et l'austérité, elle s'est traduite par une dégradation de nos services publics, parfois même par une disparition de nos services publics. Et l'Union européenne, elle a fait mal aux services publics en les livrant à la concurrence libre et non faussée. Et je voudrais justement développer un peu cet aspect. Nous sommes la France. Et la France, singulièrement après 1945, dans le cadre du programme du Conseil national de la Résistance,
elle s'est construite avec beaucoup de services publics, avec l'idée qu'il fallait un secteur public puissant, avec des entreprises publiques puissantes, disposant d'ailleurs dans un certain nombre de domaines d'un monopole, dans le domaine du transport ferroviaire, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'énergie. Et l'idée qu'ils avaient derrière la tête après 45, au fond, elle était simple. Elle était de dire que ces grands sujets, ce sont des réponses aux besoins fondamentaux. On a besoin de pouvoir se déplacer. On a besoin de pouvoir se chauffer. On a besoin d'accéder à ces droits-là, quel que soit son revenu et quel que soit le territoire dans lequel on habite. Et comme ce sont des droits fondamentaux, eh bien, ces domaines-là ne doivent pas être traités comme des marchandises. Ils doivent être exclus du marché. Ils doivent relever du service public. Et c'est comme cela que la France s'est dotée de ses services publics. Et là-dessus est intervenue l'Union européenne. Et l'Union européenne est intervenue avec sa doxa libérale en nous disant « Non, 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 votre système, il faut le remettre en cause. Il faut mettre en place la concurrence libre et non faussée. » Et c'est comme cela que dans tous ces secteurs stratégiques, tous ces secteurs qui avaient été exclus du marché, on a fait le choix de la concurrence libre et non faussée. Et c'est comme cela, par exemple, que dans le domaine du fret ferroviaire, Gilbert aurait pu vous en parler tout à l'heure, qui a fait l'objet d'une directive de libéralisation en 2006, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Au lieu que cela relève uniquement de la SNCF, on a mis en place la concurrence. On a mis en place une directive de libéralisation. Et la conséquence de cela, quelle est-elle? C'est qu'on a, depuis 2006, un secteur du fret ferroviaire, c'est-à-dire le transport de marchandises par le train, qui a été divisé par 2,5 dans notre pays. Voilà le beau résultat de la logique de la concurrence libre et non faussée. On a 2,5 fois de marchandises qui ne circulent plus par le train, mais qui, du même coup, se retrouvent sur des camions et sur nos routes. C'est la conséquence directe de cette directive de libéralisation qui avait été adoptée en 2006. Donc nous faisons un choix inverse. Nous disons qu'il est temps d'en finir avec ces directives de libéralisation. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons ce que nous appelons une clause de non-régression sociale. C'est-à-dire qu'un peuple, qu'un État à l'intérieur de l'Union européenne devrait avoir le droit de dire à l'Union européenne « Nous ne voulons pas de vos directives de libéralisation parce que ces dispositions ne nous feraient pas progresser sur le plan social, mais elles nous feraient régresser. Donc laissez-nous tout simplement appliquer des formules qui ont fait la preuve de leur efficacité, qui ont fait la preuve qu'elles apportent satisfaction, donc laissez-nous faire. Laissez-nous la liberté de pouvoir faire ce que nous savons faire. Et s'il y avait eu cette clause de non-régression sociale, nous aurions échappé à bien des directives de libéralisation. Donc oui, partout en Europe, clause de non-régression sociale pour défendre nos services publics. Troisième bataille, troisième rupture que nous proposons dans le cadre de cette campagne, c'est une autre utilisation de l'argent. Regardez ce qu'ils ont fait de l'argent de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne, c'est un peu notre coffre-fort. C'est notre argent à tous. Eh bien, depuis 10 ans, la Banque Centrale Européenne a versé 3 000 milliards d'euros aux banques privées sans condition ni contrepartie. Eh bien, nous disons que cet argent, il serait beaucoup plus utile s'il permettait, par exemple, de financer la transition écologique. Si cet argent, au lieu de partir dans les caisses des banques, il nous permettait de développer un grand plan pour le développement du ferroviaire partout en Europe afin de faire en sorte qu'on n'ait plus de marchandises qui circulent sur nos routes et que ces marchandises, au lieu d'être sur nos routes, au lieu d'être sur des camions, elles se retrouvent dans des trains
ce qui nous permettrait de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de manière extrêmement sensible. Et de la même manière, imaginez que cet argent, imaginez que ces milliers de milliards d'euros qui aujourd'hui partent dans les banques aillent plutôt financer un service public dédié à la rénovation énergétique de nos bâtiments. On ne le dit pas assez, 40% de nos dépenses énergétiques sont liées à la mauvaise isolation de nos bâtiments. Et donc si nous mettions beaucoup d'argent, si nous mettions 1 000 milliards d'euros à l'échelle de la prochaine mandature, pour mieux isoler nos bâtiments, pour aider les propriétaires qui font des travaux, on ferait coup double. D'abord, on réduirait nos émissions de gaz à effet de serre. Et deuxièmement, on ferait du bien au pouvoir d'achat, parce qu'on diminuerait les charges payées par les propriétaires comme les locataires, parce qu'ils auraient moins besoin de se chauffer pour pouvoir vivre correctement. Ça n'est pas rien quand on sait que 44 millions d'Européens ont du mal à payer leurs factures de chauffage. Voilà un beau programme que nous proposons et une utilisation de l'argent qui est autrement plus intelligente que d'alimenter la spéculation en le versant aux banques. Et puis, mes camarades, toujours sur cette question de l'argent, l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, ce sera le grand combat de nos parlementaires pour les prochaines années à l'échelle de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'évasion fiscale, c'est 1 000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année à l'intérieur de l'Union européenne. C'est 2 000 euros qui sont volés à chaque citoyen d'Europe chaque année. 1 000 milliards d'euros. Et 1 000 milliards d'euros, pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur même de l'Union européenne, il y a des paradis fiscaux. Eh bien nous, ce que nous disons, c'est qu'il est temps de fermer les frontières aux fraudeurs fiscaux. Et donc oui, nous proposons, nous, de mettre un terme à ce système institutionnalisé depuis tant d'années, qui font que bon nombre de pays membres de l'Union européenne se conduisent comme des paradis fiscaux. Parce que dès lors qu'ils se conduisent comme des paradis fiscaux, dès lors, si vous me permettez l'expression, qu'ils offrent l'asile à ces fraudeurs fiscaux, ils nous pillent de nos propres ressources. Parce que c'est ça la réalité. Un pays comme le Luxembourg, qui a un taux d'imposition quasiment nul sur les multinationales, un pays comme celui-là, il nous pille de nos recettes fiscales. Parce que bon nombre de multinationales, à l'intérieur de l'Union européenne, font du nomadisme fiscal, avec d'ailleurs la complicité de nos gouvernements qui ne disent rien et qui ne font rien. Il y a quelques mois, avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, nous avons rencontré les responsables de Google France. Vous connaissez Google ? Vous arrivez de chercher sur Google. Eh bien, les responsables de Google France, entreprise bien connue pour faire de l'optimisation fiscale, ils nous ont dit, vous savez, on est un peu gênés parce qu'on touche du CICE. C'est-à-dire que cette entreprise qui fait de l'optimisation fiscale, qui entourloupe le fisc français, elle touche des chèques de l'État français. Et nous ont-ils dit, on est d'autant plus gênés qu'on n'a jamais demandé à bénéficier du CICE. Il nous est attribué de manière automatique. Mais vous savez que le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. On leur fait des chèques alors même qu'ils nous entourloupent. Et l'État français, par la voix de Bruno Le Maire, nous dit on a tout réglé. On a mis en place une taxe GAFA qui peut-être, en 2020, rapportera 500 millions d'euros. Autant vous dire que les GAFA tremblent. J'aimerais bien savoir si dans le même temps, ils ne reçoivent pas davantage par le biais du CICE. Parce qu'à mon avis, c'est le cas. En tout cas, nous, nous voulons faire de cette question de la lutte contre la fraude fiscale la grande cause, le grand combat des parlementaires européens communistes.
Donc, vous voyez, là aussi, en matière européenne, nous avons un programme. Le programme complet est disponible à l'entrée. Il est gratuit, c'est pas comme au théâtre. Et donc, je vous invite, bien sûr, à le lire. Mais je voudrais, pour finir, vous dire une chose. Enfin, non, deux. La première, c'est que, en sortant d'ici, j'espère que vous serez déterminés à faire campagne autour de vous, même si je sais que certains n'ont pas attendu le meeting de ce soir pour le faire. Pensez bien à convaincre ceux qui sont autour de vous d'une chose. C'est non seulement que les questions nationales et les questions européennes sont liées, mais c'est aussi que le Parlement européen, il peut servir à quelque chose. Parce que bon nombre de nos concitoyens ont dans la tête l'idée que la Commission européenne décide de tout. Mais si on part du principe que la Commission européenne décide de tout, on ne voit pas pourquoi on irait se déplacer pour élire des députés européens. Sauf que la réalité, c'est que, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, les députés européens, ils ont beaucoup de pouvoir. Pas seulement parce qu'ils votent sur la proposition de la Commission européenne, mais aussi parce qu'ils votent, ou pas, les directives européennes. Les directives, elles sont élaborées par la Commission européenne, mais elles sont ensuite soumises au vote des députés européens. C'est essentiel, parce que cela veut dire que si une directive européenne est rejetée par le Parlement européen, elle finit à la poubelle. Donc les dispositions prises par l'Europe, elles sont toutes soumises au vote des députés européens. Je vais vous prendre deux exemples. Un exemple passé, un exemple à venir. Un exemple passé, ça a été abordé tout à l'heure. Le quatrième paquet ferroviaire, celui qui a abouti à la mise en concurrence dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs, celui qui a abouti à la loi sur la SNCF. Il est passé, Gilbert l'a dit, à 24 voix près au Parlement européen. Cela veut dire que si nous avions été un peu plus nombreux, s'il y avait eu un peu plus de combattants comme nous au Parlement européen, il n'y aurait pas eu le quatrième paquet ferroviaire, il n'y aurait pas eu la loi sur la SNCF et il n'y aurait pas eu les fermetures de petites lignes de train jugées non rentables auxquelles nous assistons en ce moment. Donc battons-nous pour avoir davantage de députés européens demain et pour éviter, par exemple, cette casse de nos services publics. Un exemple à venir, et ce sera d'ailleurs l'un des premiers votes auxquels seront soumis les députés européens. C'est le traité budgétaire. Vous vous en souvenez peut-être, c'est ce traité européen imposant l'austérité, imposant non plus 3%, mais 0,5% de déficit structurel maximum. Ce traité européen, il avait été élaboré par Madame Merkel et par Monsieur Sarkozy. Et François Hollande, pendant sa campagne présidentielle de 2012, avait dit « Attendez de voir, je vais le renégocier ». Il a mis 10 jours à s'écraser. Donc ce traité européen, il a à l'époque été ratifié pour 5 ans. Il est aujourd'hui caduc et il sera donc à nouveau soumis au vote des députés européens. Et donc, il se pose une question très simple aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura demain au Parlement européen des députés qui se battront pour faire en sorte qu'on ne fasse pas entrer ce traité budgétaire dans le droit européen ? Eh bien, je peux vous promettre une chose, c'est que les députés européens communistes, ils refuseront ce traité budgétaire, ils refuseront cette nouvelle cure d'austérité qui conduira à nouveau, si elle était adoptée, à la fermeture de nouveaux services publics. Donc vous avez en nous des combattants qui ne lâcheront jamais sur le combat pied à pied contre ces politiques d'austérité. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que effectivement il nous reste un mois. Un mois. Un mois pour faire en sorte que nous ayons des députés européens en nombre
demain à Strasbourg et à Bruxelles. Un mois pour donner le meilleur de nous-mêmes. Un mois pour convaincre partout autour de nous ceux qui veulent s'abstenir notamment, ceux qui ne sont pas convaincus que ça sert à quelque chose de se déplacer le 26 mai prochain. Un mois pour se mobiliser. Un mois pour faire en sorte que nous puissions gagner les voix une à une. Un mois pour faire en sorte que, à l'issue de ce scrutin du 26 mai, nous ayons Marie-Hélène Bourlard qui entre au Parlement européen et qui sera la première femme ouvrière à rentrer au Parlement européen depuis plus de 30 ans. Donc un mois quasiment jour pour jour. Un mois, ça laisse du temps. Un mois, ça peut nous être très utile si nous y consacrons notre temps, notre énergie, notre créativité. Mais je sais qu'il y a ici beaucoup de gens qui aiment la bataille politique, qui aiment le combat, qui aiment les idées, qui ont du cœur, qui ont envie de partager ces idées avec d'autres. Et je suis profondément convaincu qu'en Bretagne, comme ailleurs, nous allons réussir une très belle campagne et un très beau score le 26 mai prochain. Bonne campagne à tous. Chers camarades, sur votre droite, enfin à ma droite là-bas, j'aime pas la droite, mais c'est à droite. Il y a pour aider le journal L'Humanité, nous avons des casse-têtes et des CD de Pérou Inca. Et c'est à votre droite là, voilà, pour aider L'Humanité.